Bon, je l'ai laissé une minute et demie, deux minutes. Finalement, dans le livre, il dit une minute. Faut que la pression soit un peu plus haute que la pression atmosphérique. Chris, j'ai 175 livres, ça va faire un méchant pchit, mais j'enlève les hausses. Hein. Faut que je l'ai ouvert trop longtemps tantôt. Bon, là, c'est le temps d'enlever les hausses, tandis que la pression n'est pas trop forte. Là, si je me rappelle bien, j'avais tenté ça un peu, pas supposé, là, mais j'avais mis ça avec les pinces. Ah non! Fait que là, on va se mettre des gants pour se brûler. J'ai pas de lunettes, là, mais on ferme mes yeux. Nos défaites. On va mettre les capotes. On va souffler l'humidité dedans un peu. Il y a des graines là-dedans. Calice. Coller ma canne d'air. Bon, et on rouvre les valves au coton. Ah, t'as vu, on va enlever l'humidité qui peut se faire là-dedans. Là. Du frayon, c'est le. Je pense que c'est le nylog. Hein, le rouge. Et le jaune dans la pompe. Bouche à la pompe. Ça. Bon, on ouvre les valves plastiques. Laquelle, on m'en fout laquelle, on va en aller. On va retourner voir le manuel, je sais pas combien de temps va attendre. Ciao.